Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov. Pas de jour férié pour André Berkov dans Berkov dans tous ses états. Jamais. Avec Hervé Juvin qui est avec nous, député européen, conseiller régional des Pays de la Loire et cofondateur du mouvement Les Localistes. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour, bonjour André Berkov. Bonjour Hervé Juvin. Alors on va parler, vous savez, c'était René Dubos qui disait « Pensez localement, pensez globalement, agir localement ». C'était ça. Alors, je voudrais d'abord parler, vous savez, on a parlé avec Caroline Galacteros un peu plus tôt de Macron retour de Emmanuel Macron retour de Chine et qu'il y a tension. Bon. Mais je voudrais savoir, vous qui êtes effectivement d'abord qui voyagez dans le monde entier, mais qui aussi êtes donc dans Strasbourg, Bruxelles, est-ce que cette Europe-là, au fond, qu'est-ce qui se passe en ce moment entre l'Ukraine, Russie, entre Chine, États-Unis, Taïwan, qu'est-ce qui se passe ? L'Europe. L'Union européenne, qui n'est pas l'Europe, comme vous le savez fort bien, André Berkov, évitons toujours à la conclusion. L'Union européenne est en train d'entrer dans un processus qui peut conduire à une désagrégation violente. Je vous en donnerai deux ou trois exemples. Oui, aujourd'hui, tout se passe au Parlement européen comme si le pouvoir appartenait à la Pologne et aux États baltes. Je respecte totalement l'histoire à bien des écarts tragiques de la Pologne et des États baltes, notamment dans leurs relations avec la Russie. Mais enfin, il est bien clair que l'histoire de ces États n'est pas celle de la France, n'est pas celle de l'Italie, d'autres composantes de l'Union européenne avec la Russie. Et le fait que ces États prennent pratiquement en otage le Parlement dans une indignation vertueuse pour condamner les crimes supposés de la Russie, ça n'est tout simplement pas l'Union européenne. Mmh. Deuxième point sur lequel il y a désintégration, ou il y a en tout cas désunion de l'Union européenne, c'est naturellement sur les restrictions permanentes des processus démocratiques, qui aboutissent à une crise significative, et je voudrais en parler un peu plus. Mmh. Évidemment, nous allons parler de la crise des retraites. Évidemment, vous allez me demander ce qui se passe avec la crise des retraites. Je voulais vous répondre, André Berkov, que ça n'est pas une crise française. Aux Pays-Bas, et sur ce sujet, la presse française n'a pas fait son travail, vous avez eu un mouvement paysan, un mouvement d'agriculteurs, provoqué par le fait que beaucoup craignent de se voir saisir une partie de leurs terres et beaucoup craignent de se voir réduire de manière drastique le nombre de bovins qu'ils peuvent élever, tout simplement pour répondre à des impératifs écologiques, d'ailleurs fortement discutables. Et imposés par l'Union européenne. Imposés par l'Union européenne et surtransposés par le gouvernement néerlandais actuel. Ce mouvement n'existait pas il y a 6 mois. Il a déterminé la naissance d'un parti. Le blocage des accès à des grandes villes, des manifestations dont certaines ont été extrêmement violentes, avec, je le crois, des tirs réels. Il a abouti au fait que ce mouvement paysan aujourd'hui est devenu la première force au Parlement néerlandais. En 6 mois. En Allemagne, nous connaissons une véritable crise de la majorité au pouvoir, puisqu'un petit parti émergent anti-vert est celui qui a obtenu le report, ou du moins la transformation, de la directive européenne interdisant les moteurs thermiques à partir de 2035. J'ajoute évidemment le cas de la France, où l'on voit très bien à travers la manifestation pour les retraites qu'il s'agit de tout autre chose que de contester la réforme des retraites. La contestation en France, pour moi, a un seul objet. Emmanuel Macron a été légalement élu. Il n'est pas légitime pour imposer des réformes dont les Français ne veulent pas. Alors attendez, je vous arrête là, c'est quand même assez grave ce que vous dites. Enfin, vous dites qu'il est légal, donc effectivement, mais en quoi n'est-il pas légitime ? Il y a un égard entre la légalité et la légitimité dont la crise des retraites donne un bon exemple. Tout indique que cette réforme des retraites est rejetée par une majorité des Français. Et tout indique aussi qu'Emmanuel Macron ne veut rien entendre et ne veut rien voir. Il a décidé de poursuivre jusqu'à son terme cette réforme avec bien d'autres, nous y reviendrons sans doute, en n'écoutant pas les Français. Le sentiment, je crois, très général, c'est qu'un président élu avec 30% des voix, avec beaucoup moins des voix d'un Français sur deux... C'est vrai, mais enfin, ça a été le cas d'autres. Hein. Un président qui affronte la volonté de la majorité des Français et qui est considéré avoir détruit l'État, qui est considéré avoir gravement mis en danger tout ce qui faisait la singularité de la France, notamment son système social, mais aussi ses libertés publiques, mais aussi, par exemple, la loi sur la liberté d'association. Qu'une loi du 24 août 2021 est venue limiter, voire menacer de manière extrêmement grave. Vous savez que des manifestants ont été arrêtés sans avoir rien commis, tout simplement parce qu'ils se trouvaient là
où il y avait effectivement des actes violents. Oui, où il y avait ils des sont casseurs 48 compagnie. Heures. J'ai un exemple très précis, 48 heures de garde à vue, une amende de 400 euros, l'interdiction de venir à Paris pendant 6 mois. Ça s'appelle quoi sinon porter atteinte au droit de manifester pour quelqu'un contre lequel aucun délit n'est retenu. C'était un manifestant que vous connaissez. Du 7 mars. C'est un manifestant que je connais de la manifestation du 7 mars, qui n'a absolument rien commis. D'ailleurs, rien ne lui est reproché, sinon d'avoir été là au mauvais lieu et au mauvais moment. On est en train de porter atteinte à la liberté de manifester. Comme on est en train de porter atteinte à la liberté d'association. Je pense que c'est tout cela qui est derrière la contestation. Puis laissez-moi prendre deux autres exemples qui sont éclatants dans ces grandes démocraties qui étaient Israël et les États-Unis. Israël vit une crise existentielle sans précédent. Il faut savoir que les réservistes de l'armée de l'air, les réservistes des blindés de l'armée israélienne ont refusé de prendre leur service parce qu'ils contestent la direction de Netanyahou. Et il est clair aussi que l'armée israélienne est en ce qu'elle est. Exactement. C'est la survie du pays qui est en danger aujourd'hui. Et on voit bien que le régime Biden, le régime démocrate, est très très gravement mis en cause, puisque les turpitudes de M. Hunter Biden, le fils du président, sont en train d'éclater au grand jour. Ce sont nos démocraties qui vont mal. Et je me permets de le dire, le mouvement localiste, qui est un mouvement qui attire d'abord l'attention d'élus locaux, est un mouvement qui entend répondre à cette grave crise de nos démocraties. Eh bien, on va en parler tout de suite après cette petite pause avec Hervé Juvin, et vous voyez qu'il ne mâche pas ses mots. Et vous avez la parole au 0826-300-300 pour interpeller Hervé Juvin. 0826-300-300, à tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous ne pouvons qu'être dans tous nos états en écoutant Hervé Juvin, député européen non inscrit, conseiller régional des Pays de Loire et cofondateur, on parlera du mouvement Les Localistes. Mais auparavant, vous avez dit quelque chose, Hervé Juvin, vous avez parlé des pays baltes, effectivement, qui prennent en otage, effectivement, l'Européen, et vous, l'Europe, et vous dites, le Parlement européen laisse faire. Pourquoi le Parlement européen laisse faire? Après tout, les Français sont là, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, etc., etc. Pourquoi ils laissent faire? C'est le démon du bien, André Berkoff. Le démon du bien. Quand vous êtes face au démon du bien, que pouvez-vous faire, sinon abonder dans son sens? Ou tout simplement vous tenir quoi sur votre chaise sans applaudir. Il est clair que dès qu'on parle de l'Ukraine, on est dans le bien contre le mal. Le bien absolu représenté par les valeureux ukrainiens qui défendent les valeurs de l'Occident, etc., etc., contre le méchant russe incarné par M. Poutine, qui devrait bientôt passer devant un tribunal international. Vous ne pouvez pas sortir de ce narratif. C'est ce qui m'apparaît tout à fait considérable, alors que les Américains, eux, en sortent. Il y a un véritable débat aujourd'hui aux États-Unis sur les à peu près 100 milliards de dollars donnés à l'Ukraine en pure perte, puisqu'on sait qu'à peu près le tiers du matériel militaire qui arrive en Ukraine est immédiatement revendu ailleurs. Ce qui commence d'ailleurs à provoquer des soucis de nos amis au sud de la Méditerranée et également des avertissements très précis d'Israël. En disant, on n'a pas envie que vous faites n'importe quoi en Ukraine, on n'a pas envie que ça vienne chez nous. Que le matériel arrive là. Au sud Liban ou dans les territoires occupés. Bref. Ça, c'est un débat qui peut avoir lieu aux États-Unis. C'est un débat qui ne peut pas avoir lieu en Europe. Et pourquoi? Vous dites parce que le bien et le mal. L'Europe, c'est le camp du bien. Le haut représentant Josep Borrell a très bien dit, nous sommes le jardin, partout ailleurs, c'est la jungle. Ce qui est d'ailleurs témoigne d'une vision du monde absolument singulière. Mais enfin. Donc, on ne peut rien dire sur ce sujet. Il faut rappeler, évidemment, sur l'Ukraine, mais combien de fois l'a-t-on rappelé que 2014, c'est un coup d'État financé à centaines de millions de dollars par Madame Nuland, coup d'État contre un pouvoir démocratiquement élu. Les Russes n'avaient sans doute pas choisi le meilleur candidat, mais enfin, il a été démocratiquement élu. Les Américains ont réalisé un coup d'État. C'est quand même extraordinaire qu'à peu près personne ne le rappelle. C'est quand même à peu près extraordinaire que personne ne rappelle qu'en dépit des engagements dont James Baker a été témoin, pris après la chute du mur de Berlin, la Russie fait face à un véritable encerclement avec des ogives nucléaires à moins de 500 km de Moscou. C'est évidemment intolérable pour une puissance comme la Russie. Ici même Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères au moment de la chute de l'URSS, en a témoigné, effectivement. Tout à fait, mais les témoignages ne laissent aucun doute sur les engagements verbaux pris par les Américains à ce moment-là. Comme assez souvent, ils ont trahi absolument toutes leurs promesses. Donc alors, ce Parlement européen, alors revenons à ça et pas seulement sur l'Ukraine et ailleurs. Moi, je vous posais la question, puisque vous êtes député européen, ça sert à quoi ce Parlement européen, cher Hervé Juvin ? Ce Parlement européen sert essentiellement à donner un vernis, je dis bien un vernis démocratique,
à des décisions qui, pour la plupart, sont instruites par la Commission européenne, sont en fait arbitrées par le Conseil européen, et faut-il le dire le plus souvent, sont dictées par nos grands alliés américains. J'avais encore tout récemment des exemples dans les plus infimes détails. Ce sont nos alliés américains qui dictent ce qui est fait par l'Union européenne, y compris dans les vœux que les représentants de l'Union européenne présentent aux pays étrangers dans lesquels ils sont situés. À ce point ? À ce point. Vous en avez vous avez les preuves ? J'ai des éléments tout à fait précis dans les plus intimes, infimes détails. Alors, je vais quand même évoquer quelques drames. La politique européenne de l'énergie est un véritable drame. Les sanctions appliquées contre la Russie sont un véritable drame, notamment pour les PME françaises. J'avais encore ce matin au téléphone le président d'une société Bois et Bûches, située dans le 56 Morbihan, j'y suis né, qui me disait que sa facture d'électricité, qui était de 7 000 euros mensuels, est passée à 30 000 euros mensuels. Deux responsables, la politique totalement inconsidérée de concurrence des opérateurs historiques qui a ruiné EDF au bénéfice de concurrents qui ne sont que des prête-noms financiers. Certes, on l'a dit. Et puis la politique totalement irresponsable de sanctions contre la Russie, parce que soyons clairs, le grand gagnant aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Le grand perdant de la guerre en Ukraine, ça n'est pas encore l'Ukraine, c'est certainement l'Union européenne. L'Allemagne, puissance dont les excédents commerciaux assuraient la stabilité de l'euro et permettaient de financer les déficits des pays du Sud et aussi de la France, l'Allemagne est dans un état catastrophique. Et je ne sais pas dans quel état l'Europe va sortir de cette crise, qu'elle est à peu près seule à financer. Rappelons que nos grands alliés américains nous vendent leur gaz naturel liquéfié en lieu et place du gaz russe, gaz à peu près 4 fois le prix. Gaz de schiste que nous n'autorise pas chez nous. Ce qui, en termes écologiques, est simplement une catastrophe. L'Europe est la grande perdante d'un conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu. L'Europe s'est laissée entraîner dans un conflit qu'elle finance et dans lequel elle prend tous les risques, avec toujours le risque d'une montée vers une troisième guerre mondiale. L'Europe aujourd'hui est en train de s'effacer de la planète des puissances. Alors c'est un peu comique d'entendre notre président évoquer l'autonomie stratégique de l'Europe. Cette page-là, elle a été tournée. Elle a été tournée au début de la guerre en Ukraine. Elle a été tournée il y a déjà un moment. L'autonomie stratégique de l'Europe n'existe pas. On peut rêver sur la génération à venir. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes pieds et mains liés à l'OTAN, aux commandes d'armement américains. C'est un drame pour les industriels français de la défense. Nous sommes de plus en plus sujets à l'extraterritorialité des règles américaines. Ici encore un exemple précis que vous pouvez vérifier. Deux émissaires du Trésor américain sont en visite en Europe cette semaine, à partir de demain, pour demander à l'Allemagne, à l'Italie et peut-être à la France de sanctionner beaucoup plus sévèrement les entreprises qui continuent à entretenir des relations avec la Russie. Alors il faut leur dire clairement, un allié n'est pas là pour donner des ordres. Messieurs, si vous venez ici pour nous donner des ordres, vous pouvez reprendre l'avion pour Washington. Vous pensez que c'est ce qui sera fait, à votre avis ? Je pense que, comme d'habitude, les pays essaieront de moyenner, c'est-à-dire de trouver des moyens facialement de respecter les sanctions, tout en ne les respectant pas tout à fait. Mais je donne à observer que quand le chantage américain, c'est soit vous faites des affaires avec 50% du produit mondial, soit vous nous êtes coupés de nos alliés, le Japon vient officiellement de déclarer qu'il achetait en masse du pétrole et du gaz à la Russie. Il est clair que les sanctions, ça ne fonctionne pas. Il est clair que ceux qui sont en train de s'isoler sur la scène mondiale, ce sont les États-Unis et leurs alliés, j'ai quelquefois enfin de dire leurs complices. Et donc la question pour toute politique étrangère de la France aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut être avec l'aile marchande du monde qui est dans l'Asie, dans l'océan Indien, vers le Pacifique, dans les pays qui montent, ou si elle est face en s'alliant à ce déclin américain qui aujourd'hui de plus en plus me semble inéluctable. Vous me permettrez de citer Tocqueville. J'étais à Delhi la semaine dernière, je suis retombé sur Tocqueville qui dit « La puissance américaine vient du fait que les Américains fondamentalement se battent pour le bien et pour ce qu'ils croient être le bien. Et si les Américains ne se battent plus pour le bien, ils perdront leur puissance. Je considère que les États-Unis sont une puissance porteuse de paix et d'ordre mondial jusqu'après la guerre du Vietnam dans les années 80. Sous la coupe des néoconservateurs, les États-Unis sont devenus une puissance de désordre et de chaos. Ce n'est plus une puissance pour le bien, c'est une puissance à la merci d'une plutocratie qui a pris le contrôle de Washington. Et très clairement, si les États-Unis disparaissaient de la scène de la puissance mondiale, le monde s'en porterait mieux. Oui, vous dites que les années 80, il y a une bascule, d'où l'Irak, il y a une bascule, la Libye, etc., les catastrophes etc. de l'Irak, les catastrophes des guerres illégales, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan, qui ont laissé des pays entièrement détruits, qui ont fait des centaines de milliers de morts, sans aucun bénéfice,
autres que ceux qu'engrange le concept militaro-industriel américain, et puis autres que ceux qui est de détruire de manière impitoyable tous les régimes qui proposent des alternatives. Je rappelle que la Serbie de Milosevic, de la même manière que la Libye de M. Kadhafi, qui n'était certainement pas des anges, oui, c'est pas des mais avait assuré ouais. la gratuité de l'énergie, la gratuité des soins, la gratuité de l'éducation, etc., etc. C'est aussi une des dimensions du combat que les États-Unis mènent contre tout régime qui offre une alternative crédible à leur plutocratie. D'ailleurs, Kadhafi voulait faire une monnaie aussi, enfin, il y pensait à cela. Notamment, on peut le dire, oui. On pourrait faire la liste de ceux qui sont morts parce qu'ils ont touché au monopole du dollar et au monopole du pétrodollar. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression vraiment, enfin, on en parlera après cette petite pause aussi, une nouvelle petite pause. On le savait, Hervé Juvin, c'est intéressant de voir l'Iran et l'Arabie Saoudite se visiter et que la guerre, l'atroce guerre du Yémen, où il y a eu 300 000 morts, hommes, femmes et enfants, peut-être, et espérons-le, va s'arrêter. Vous savez, je vais citer Kissinger. Kissinger dit « La puissance appartient à ceux qui parviennent à réaliser des accords de paix ». Aujourd'hui, dans cette affaire de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, c'est la Chine qui est un apporteur de paix. C'est la Chine qui met fin à une querelle séculaire entre les chiites et les sunnites, ce qui est peut-être d'importance mondiale. Certes. C'est peut-être la Chine qui va aider à mettre fin au conflit au Yémen. Et on sait très bien que la Chine, avec d'autres puissances plus discrètes, notamment l'Inde, est en train de proposer un plan de paix en Ukraine qui a probablement des chances d'aboutir dans les semaines ou les mois à venir. Eh bien, on en parlera et on reviendra aussi en France parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur notre cher et doux pays. Et à tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On attend vos appels pour interpeller Hervé Juvin. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Ici Sud Radio. Parle-t-on français ? Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quelles carottes et quelles cuissons ? On en parle avec Hervé Juvin, député européen non inscrit, conseiller régional des Pays de la Loire, cofondateur du mouvement Les Localistes. Hervé Juvin, justement, juste cette information, et selon une étude IFOP, 42% IFOP fiducial, 42% des Français les plus précaires disent avoir supprimé un repas quotidien à cause de l'inflation. Je sais pas, on commente pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je croyais qu'on était en 2023. La France est riche, la France est un pays en progrès, en développement, sous l'heureuse conduite de messieurs Macron et Le Maire qui nous promettent des jours meilleurs. La réalité est bien différente. La réalité, c'est la colère. Je n'ai jamais connu dans ma vie, un président français qu'on voit décapité, brûlé, pendu en effigie, etc. Il se passe un phénomène d'ampleur historique en France. Cette colère, j'y vois trois ou quatre origines que je vais donner de manière un peu précise. Allez-y. Ces agglomérations de plus de 150 000 habitants dans lesquelles les malheureux propriétaires de voitures diesel ou de voitures essence anciennes ne pourraient même plus entrer. On est en train de priver les Français de leur droit à la mobilité. Ces réformes ou ces exigences absurdes en termes d'économie d'énergie qui font que déjà des millions de Français commencent à savoir que leur maison, ils ne pourraient plus la louer parce qu'ils n'ont pas fait les travaux d'isolation. Une maison, un appartement classé passoire thermique, vous ne pouvez plus les louer et peut-être demain, vous ne pourrez plus les vendre. Oui, c'est vécu par des millions de Français comme une menace d'expropriation. Je rajoute les mesures envisagées sans être précisées qui font qu'à partir d'un certain âge, tout Français pourrait se voir interdit de conduire, ce qui condamne le rural à la désertification accélérée, puisque l'automobile dans le rural profond, ça n'est pas fait encore, fort heureusement, mais c'est une menace qui plane. J'ajouterais évidemment ce que vous venez de citer, c'est le prix de tout qui monte. C'est le prix de tout qui monte parce que, accablés de charges et de normes, les artisans, les PME sont obligés de facturer plus cher. C'est évidemment le prix de l'alimentation qui monte et de manière absolument considérable. C'est le prix des services. C'est la dégradation de la qualité hospitalière. C'est la dégradation de la qualité de sécurité au quotidien. Tout ceci fait que les Français ressentent un phénomène que j'éprouve par ma part beaucoup quand je voyage. Je vois des pays qu'on considérait sous-développés qui sont en train de faire des bons en avant considérables. Et je vois la France en phase de sous-développement. Ouais. Ce qui nous aura été donné par les privatisations en masse, ce qui nous aura été donné par la casse de l'État, à laquelle procède de manière extraordinairement
méthodique Emmanuel Macron, en supprimant les grands corps, en supprimant le corps de la diplomatie, en supprimant par exemple les enquêtes d'utilité publique qui permettent aux Français de faire entendre leur voix. Tout ça, cette casse de l'État, ce recul des libertés, oui, ça provoque un recul de la qualité de vie. Juste un mot, Hervé Juvin, vous dites casse de l'État, etc. Mais l'État n'a jamais été aussi obèse. Les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi énormes à la soviétique. Alors, la France a le record des prélèvements sociaux, la France a le record de la dépense publique, mais l'État ne fonctionne plus. La France, par exemple, essayait de vous faire délivrer un passeport ou une carte d'identité. Alors Emmanuel Macron a haussé le ton en disant à ses ministres « il faut que tout ça soit résolu ». Enfin, la France est dans un état, dans ce cas, proche des pays sous-développés. Il faut des mois pour refaire une carte d'identité, pour refaire un permis de conduire, pour refaire un passeport. Je ne parlerai pas de l'état de notre système hospitalier. Ça fait bien longtemps que plus personne n'ose dire que la France a un des meilleurs systèmes médicaux du monde. On était les meilleurs du monde à un moment donné, oui. Et je n'en rajouterai pas sur les énormes fautes commises au moment du Covid. On a vu des valses hésitations, il ne fallait pas porter de masque, il fallait porter les masques, il y avait des médicaments, il n'y avait plus de médicaments, etc. etc. Il y a quand même des gens qui sont toujours en place, qui se sont non seulement ridiculisés, mais qui, à mon sens, devrait un jour se trouver devant les tribunaux. Et ne parlons pas du confinement. C'est ce à quoi essaye de répondre le mouvement localiste. Alors, c'est quoi le mouvement localiste? Le mouvement localiste, d'abord, il est parti d'une demande d'élus locaux. Il est parti d'une demande d'élus locaux faisant face au naufrage de notre démocratie. Dans la République d'Emmanuel Macron, tout vient d'en haut. Il y a des comités d'experts, il y a des groupes de citoyens, on ne sait choisi comment trop. Il n'y a plus de corps intermédiaires. L'Assemblée est réduite à la portion congrue. On le voit bien avec ce vote arraché, ce non-vote plutôt, par le 49-3 de la réforme des retraites, avec une consommation de 49-3 sans aucun équivalent dans l'histoire de la Ve République. Top-down, tout doit venir d'en haut. Ceux qui sont en haut dans les palais ministériels et présidentiels ont raison. Les Français n'ont qu'à subir. Ça ne marche pas comme ça. Les Français n'ont pas été élevés, les Français n'ont pas été formés comme cela, et les Français sont en demande du mécanisme inverse. Ce qui va fonctionner doit partir d'en bas. Ça doit partir d'en bas pour l'implantation des éoliennes. C'est absurde de permettre l'implantation d'éoliennes sans consulter les habitants locaux. C'est absurde de peu à peu déposséder les élus locaux de tout leur pouvoir pour les transférer à un préfet qui n'a de compte à rendre qu'à Paris. C'est extrêmement grave de toucher à la liberté d'association, c'est ça qui fait la vie locale. Et j'ai coutume de dire, et c'est une des bases du mouvement localiste, quand on partage un territoire, d'où qu'on vienne, quelle que soit son origine, sa relation, sa religion, son idéologie, ben quand on a un territoire en commun, on a quelque chose en commun, on peut construire pour le meilleur sur ce territoire. C'est ça le localisme. C'est en fait retrouver l'intérêt commun, le bien commun. Redonner le pouvoir aux gens qui, sur le territoire, savent de quoi ils ont envie et s'en occuperont mieux que ceux qui ne le connaissent pas. Combien de fois nos ministres de ceux que vous avez désignés tout à l'heure, combien de fois sont-ils allés récemment en région, dans ce qu'on appelait les provinces? Combien de fois ont-ils parlé avec des Françaises et des Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont du mal à trouver un médecin, qui s'inquiètent de ne plus pouvoir circuler en voiture? Oui, mais là, ils vous disent, Hervé Juvin, à chaque fois qu'on va, maintenant, on manifeste. Au lieu de nous écouter, on manifeste. Hein. Apparemment, il n'y a pas que Emmanuel Macron. Pour qu'on ait envie de les écouter, il faudrait qu'ils aient quelque chose à dire. Si c'est pour délivrer la parole donnée de la pensée unique et pour délivrer le catéchisme des privatisations, de la soumission, pour être très, très clair, aux intérêts de nos amis américains, et surtout la centralisation à outrance à laquelle nous assistons, on n'a pas besoin de les entendre. On a envie tout simplement de les remplacer. Oui, et c'est ça. Donc, mouvement localiste, c'est un mouvement donc, qui n'est pas un parti. C'est un mouvement citoyen pour plus d'autonomie d'initiative locale. Évidemment, le référendum d'initiative locale pour les sujets territoriaux. C'est évidemment la demande d'une relocalisation des activités industrielles, de services, mais aussi d'une plus grande autonomie des banques régionales. Vous le savez, André Berkoff, j'ai passé beaucoup de temps à travailler dans le monde de la coopération. Il faut donner une nouvelle vie au mouvement de la coopération et de la mutualité, parce que c'est ça qui fait la vie sur les territoires, quand la décision se prend au plus près des territoires. Et puis c'est aussi le fait de rendre du pouvoir aux consommateurs, en évitant toutes les manipulations de la fameuse RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Les gens sur un territoire savent bien quelles entreprises créent des emplois, quelles entreprises participent et financent la vie du territoire, et c'est à ces consommateurs de se prononcer. J'ajoute une dimension sociale essentielle. Celui qui travaille pour des produits dont il ne connaît rien, destinés à des publics de consommateurs qui peuvent être à 1000 ou 3000 km, il n'a d'autre rémunération de son travail que son salaire. Celui qui travaille pour des produits ou des services de gens proches de chez lui,
qu'il remercie parce que c'est bien fait, parce que c'est bon, parce que c'était un bon service. Il a une rémunération non financière qui peut être tout à fait considérable et en tout cas qui est source de dignité et de responsabilité. Je pense que cette dimension sociale est essentielle. Ouais. Lucien, vous avez la parole. Des auditeurs. Oui, beaucoup d'auditeurs nous appellent pour interpeller Hervé Juvin au 0826 300 300. Et on accueille Christophe d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour André, bonjour Lucien La Lumière. Et mes salutations à Hervé qui donne bien la signification de son prénom, c'est-à-dire le faire, la volonté, l'ardent. C'est pas tout à fait. Je suis sûr que je suis dans le vrai. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, mais allez-y. C'est normal. Je voudrais attirer l'attention, c'est relié à ce que vous dites, Monsieur Juvin et les autres intervenants de cette émission. Il y a un siècle, même un siècle et demi, 1850, Louis-Napoléon Bonaparte a été élu par la périphérie contre le centre, c'est-à-dire Paris. Mmh. Et là, nous avons Emmanuel Macron qui a été élu par le centre, c'est-à-dire Paris, contre la périphérie. La périphérie. Mmh. Et il me semble que la situation politique de 2023 ressemble beaucoup, ressemble beaucoup à celle de 1850, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne pouvait rien sur le président ne pouvait plus se représenter et le président ne pouvait pas dissoudre. Et je trouve que M. Macron a réussi soft, j'ai bien dit soft, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de... Il a réussi un coup d'État lors de du refus de la censure par l'Assemblée nationale et depuis, le pouvoir personnel est très fort. Est installé pour vous, c'est ça Christophe. Oui, mais de manière soft, attention. Il faut faire attention à l'usage des mots, bien sûr. Non, mais parce que je le pense aussi. Je sais bien. Voilà. Alors, Hervé Juvin vous répond. Merci beaucoup de votre remarque, monsieur. Je la crois historiquement assez juste. Je serais plus nuancé sur ce que vous dites. Tout ça se passe dans la douceur, tout ça se passe dans la légalité, etc. J'évoquais les atteintes aux libertés publiques. Liberté de manifester, liberté de réunion, liberté d'association. Je voudrais attirer votre attention sur une loi qui m'apparaît une loi scélérate, qui décide que le Premier ministre et le ministre de la Santé, à tout moment, peuvent décider qu'il y a une menace d'épidémie, peuvent prendre n'importe quelle mesure pour arrêter la vie publique, y compris des mesures de confinement, d'enfermement des citoyens. Cette décision, au bout de 6 mois, devant être présentée, justifiée devant le Parlement, sans vote. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Premier ministre et le ministre de la Santé, notamment en cas de crise, peuvent à tout moment décider un état de risque sanitaire et paralyser le pays, mettre le pays à l'arrêt. On pourrait dire que ce que l'on a vu au moment de la crise du Covid-19 a été une répétition. C'est une répétition de ce qui a eu lieu, par exemple, au Canada. C'est une loi qui est passée quand, ça, c'est une loi qui est passée en 2020. Je vais vous donner la référence. Ah oui, parce que l'avons vu utiliser exactement de la même manière. Oui. Nous l'avons vu utiliser exactement de la même manière dans différents pays. Et ça me paraît extrêmement grave parce qu'on peut suspendre les libertés publiques, on peut suspendre la vie citoyenne sous simple décision du Premier ministre et du ministre de la Santé. C'est presque un article 16. Article d'état d'urgence. Ouais. Je vais vous en donner la référence. C'est la loi du 5 août 2020 dans son article 6-1040. D'accord. Vous pouvez le consulter, c'est pratiquement la liberté sous raison sanitaire de décréter à tout moment l'état d'urgence et d'arrêter totalement la vie politique du pays. Oui, c'est préoccupant ça. Christophe, vous vouliez répondre ? Oui, je voulais apporter la nuance. Quand je dis, attention, quand je dis soft... Je ne dis pas soft, c'est-à-dire dans le corps du régime politique tel qu'il est en place, mais dans l'habillage. Pour comprendre Macron, excusez-moi pour les anciens élèves des jésuites, il faut voir le jésuitisme. Et Macron, c'est du jésuitisme. D'accord. Écoutez, Christophe, en tout cas, on va faire une petite pause. Merci beaucoup, Christophe. Oui, voilà, mais
j'espère de ne pas avoir embêté. Pas du tout, pas du tout. Beaucoup. Au contraire, c'était une très bonne question. Et une très bonne intervention. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. A tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Hervé Juvin, on continue de parler effectivement de l'état du monde et quel état, et là de l'état de la France. Et on a parlé là pendant la pause de ce sentiment de déclassement. Et vous dites que vous avez observé un peu partout, en tout cas, ce sentiment de déclassement de la France. Je suis frappé dans différents lieux de France où je rencontre des gens simples qui ont des problèmes de fin de mois, qui ont des problèmes pour à la fois payer le loyer, payer l'électricité et avoir à manger. Je suis frappé de ce sentiment que la France n'est plus ce qu'elle a été, que la France n'est plus respectée comme elle a été, que sa parole ne compte plus, et que ce sentiment que la France est l'ami de beaucoup de pays dans le monde, qu'elle en est respectée, qu'elle en est aimée, quelquefois même admirée, ce sentiment est en train de disparaître. Ça va pour moi nourrir ce sentiment de colère. Et vous sentez ce sentiment, il est partagé, ce sentiment. Ah, ce sentiment est très largement partagé et il fait partie d'une crise qui va bien au-delà, je l'ai dit, de la crise provoquée par la réforme du système des retraites, qui est pratiquement la crise identitaire. Nous sommes qui, nous, Français ? C'était assez simple de le dire au moment où la France était un pays non aligné, respecté par tous les pays non alignés. Il y en a encore des traces. À chaque fois que vous rencontrez un membre du gouvernement ou de l'administration chinoise, il vous rappelle que la France a été le premier pays à reconnaître officiellement la Chine, oui, communiste. Exact. Vous avez le même sentiment en Inde quand on vous rappelle que la France a été très proche du mouvement des non-alignés et de la conférence de Bandung en 1955. Bref, ça a disparu. Et le sentiment que la France, dorénavant, est un pays aligné sur la puissance américaine, et donc, plutôt que de s'adresser à l'apôtre, il vaut mieux s'adresser à la puissance elle-même, vaut mieux aller directement à Washington DC. Ça m'a été dit par un certain nombre de diplomates. C'est plus la peine de faire l'escale de Paris, il faut aller directement parler à Washington DC, et quelquefois à Londres, d'ailleurs. Parce que Londres continue à jouer. Continue à jouer, oui. Ça, je trouve que c'est très largement répandu. Les Français ont une conscience du monde. Je pense qu'une partie de l'Ouest, l'Union européenne est sortie de toute conscience géopolitique pendant plus d'une génération. C'est une raison de son malaise profond aujourd'hui. Il lui faut à toute allure retrouver une conscience géopolitique qu'elle n'a pas. Les Français ont gardé une conscience géopolitique. Ça, c'est à cause du nombre de missionnaires, à cause du nombre de marins, à cause du nombre de soldats qui sont allés se battre à peu près sur tous les champs de guerre du monde, du Mexique à l'Indochine, en passant par la plupart des pays africains. Il y a une conscience du monde en France. C'est aussi la conscience de, sur deux siècles, la Russie a sauvé trois fois la France. Elle a sauvé la France du dépècement après Waterloo, quand les Anglais voulaient couper la France en petits morceaux. C'est le tsar qui s'y opposait. L'attaque qui leur a coûté des dizaines de milliers de morts, mais l'attaque des troupes du tsar contre l'armée allemande nous a permis de remporter la bataille de la Manne et de sauver Paris. 14, et puis n'oublions jamais, en dépit du film magnifique mais mensonger du jour le plus long, que c'est le sacrifice de millions et de millions de Russes qui a détruit la machine de guerre allemande, Yukov, les batailles de chars à plusieurs milliers de chars engagés. Yukov est le vrai vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et c'est la Russie soviétique qui a mis à bas l'Empire nazi. Ce sont des choses qu'on a dramatiquement oubliées et que beaucoup de nos alliés européens sont en train d'oublier. Ce qui n'empêche pas de dire ce qu'était le régime soviétique. Bien entendu, et d'être solidaire des pays de l'Est qui ont tellement souffert pendant 50 ans de colonisation soviétique. Mais en même temps, la longue mémoire a sa place dans l'histoire. Tout à fait. Tout ça, on est en train de le perdre. On est en train de le perdre par un alignement qui est largement commencé par la faute de Nicolas Sarkozy, réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. L'OTAN pourrait rester une organisation militaire alliée. La réintégration a été une faute. Et depuis, notamment le fait qu'Emmanuel Macron soit ministre de l'économie avec la scandaleuse vente d'Alstom, mais combien d'autres, on a bradé des fleurons de l'industrie française, encore tout récemment un fleuron de l'industrie française de défense, on l'a bradé aux intérêts américains qui évidemment ne veulent pas d'une quelconque indépendance stratégique européenne. Et alors justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose d'assez dramatique, c'est vrai, quelque part, quand je dis que c'est décidons d'en rire, dépêchons-nous d'en rire de peur d'être obligés d'en pleurer, au fond,
non seulement les Français se sont déclassés, mais aussi ils ne savent pas où ils habitent. Il y a un problème aussi, je dirais, d'habitation, vous savez, au sens, je dirais, presque physique du terme. Alors je vais quitter le localisme, mais tout ça est articulé. Le localisme, pour moi, c'est le moyen d'exprimer le meilleur de chaque territoire français, mais pas pour les voisins. C'est d'exprimer le meilleur de chaque territoire français pour le monde. Ce qui me semble très clair, c'est que nous sommes devant un choix existentiel pour le siècle qui vient. Est-ce que nous nous allions et est-ce que nous participons à ce nouvel équilibre du monde qui est en train de se dessiner avec la Chine, avec l'Inde? Je le rappelle, avec des pays comme l'Indonésie ou le Pakistan, c'est plus de 300 millions d'habitants. Avec un pays comme le Bangladesh, que personne ne connaît, c'est bientôt 200 millions d'habitants, 7% de croissance depuis 5 ans de manière régulière. Est-ce que nous choisissons d'aller de ce côté du monde, comme vient de le faire l'Arabie Saoudite, dans un mouvement historique qui est pratiquement de rompre les ponts avec les États-Unis pour se tourner vers cette aile marchande du monde. Et quand on pense à l'Arabie Saoudite, le pétrodollar. Exactement. Enfin, l'Arabie Saoudite a choisi énorme. De rompre et probablement en train d'acquérir une stature historique que rien ne laissait deviner. Est-ce que la France a son autonomie stratégique pour choisir et est-ce qu'elle est du côté montant et marchand de l'aile du monde? Je ne vois malheureusement à peu près personne en Europe qui ait la capacité d'en débattre, la capacité d'en juger et la capacité d'en décider. Oui, mais alors... Ça renvoie à la faillite géopolitique de nos élites. Beaucoup d'autres que moi l'évoquent. Nous n'avons plus les grands penseurs géopolitiques que pouvait être un Raymond Aron, qu'a certainement été un Henry Kissinger, qui est certainement aujourd'hui un Lavrov, qui est certainement aujourd'hui un Xi Jinping ou un Narendra Modi. Je ne vois personne en Europe qui arrive à la cheville de ces géants qui sont en train de façonner le monde de demain. Alors, écoutez, c'est quoi? C'est un problème de, je dirais, d'une entropie génétique, une entropie intellectuelle, une entropie mentale. C'est beaucoup un problème de culture. Nous sommes en train de perdre l'esprit critique. C'est un sujet qui vous retient très souvent, André Berkoff. La perte de l'esprit critique avec toutes ces fact-checkers, cette vérité qu'on nous impose, on l'a vu au moment du Covid, des décisions absolument catastrophiques, mais qu'on n'a plus le droit de critiquer, avec cet ostracisme. J'en ai été victime. Tous ceux qui disaient que c'était une fuite de labo étaient condamnés au silence. On sait dorénavant que c'est une fuite de laboratoire de Wuhan sur des recherches interdites ailleurs, financées essentiellement par les États-Unis et d'ailleurs très largement financées par le département américain de la Défense, qui tôt ou tard devra faire face prouvé. À des responsabilités. C'est pas encore totalement prouvé. Ça fait prouvé, à peu près le consensus. Même le docteur Fauci le reconnaît. C'est vraisemblablement une faute de labo. On n'en est plus maintenant dans le fact-checking. Ça, c'est vrai. Et on traitait de complotistes quiconque osait affirmer la moitié du cas. J'en ai été victime. C'est un de vos grands confrères. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la perte de l'esprit critique, c'est l'incapacité d'affronter les sujets géopolitiques. Vous savez, Machiavel nous donne une bonne leçon. Machiavel dit de manière absolument sidérante, ceux qui considèrent le monde comme ils le veulent, plutôt que comme il est en réalité... Cela travaille davantage à se perdre qu'à se conserver. Nous sommes tout à fait Je pense d'accord qu'avec l'idéologie avec du bon, du beau et du bien qui sévit en Europe et malheureusement en France, nous travaillons beaucoup plus à nous perdre qu'à nous conserver. Alors on a une auditrice, je crois, oui, Lucien. Oui, nous avons Patricia d'Andaï. Bonjour Patricia. Oui, bonjour oui, Patricia. Bonjour. Oui. Je voulais simplement intervenir pour dire que M. Juvin synthétisait tout à fait ce que l'on pensait, que ce soit au point de vue national ou international, que ce soit que pour les familles, pour enfin voilà. Mmh. Et par exemple, moi je suis dans une région, puisque je viens du Pays Basque, on a des problèmes au point de vue immobilier, les propriétaires sont attaqués. Voilà, on doit, si on a un PLU, le maire décide de faire une ZAC, c'est-à-dire qu'il peut faire, il peut préempter, il peut même jusqu'à vous exproprier de chez vous. Ouais. Et si on arrive à négocier les choses, il y a le préfet qui passe par-dessus et qui va décider. Ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, que c'était directement avec l'État. On a l'impression de plus être chez soi. Nous ici c'est une tradition, c'est avoir du terrain et implanter une maison pour les enfants et tout comme ça, nous n'avons plus le droit. Là ça prend des proportions, voilà, on n'est plus chez soi. Voilà, bon, ça, ce sentiment de dépossession est essentiel, madame, je partage totalement ce que vous dites. Je pense que c'est une des grandes sources profondes de la crise que traverse la France, le sentiment de beaucoup de Français en gros d'être expulsés de leur pays quotidien par les éoliennes, expulsés de chez eux par des règles d'isolation des logements, etc., qui leur interdisent de loger, peut-être de louer, peut-être bientôt de vendre leur logement, expulsés de leur territoire par les règles sur les automobiles, etc., etc. Et je m'étonne qu'aucun parti
n'embouche ce combat. Ouais. C'est ce que nous voulons faire avec les Coélistes, sachant que le combat sur la dictature numérique va être tout aussi important avec l'identité numérique, avec la monnaie numérique. On est en train, en gros, de nous voler notre identité et de vouloir suivre tout ce que... C'est bien entendu associé. Parce que vous synthétisez tout ce qu'on pense, de A à Z, que ce soit avec l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, avec même l'Afrique. L'Afrique qui se fait déposséder de ses biens aussi. Alors qu'ils ont des richesses, ils n'auraient pas besoin des États-Unis. Oui, mais ça, ils ont une classe dirigeante. Tout est lié, Patricia. C'est vrai. Juste, alors j'aimerais bien, je crois qu'on n'aura pas le temps de... Philippe, est-ce qu'on prend Philippe ? On a juste rapidement. Rapidement, on prend Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Juvin. Bonjour. Oui, un désamour, moi je dirais, depuis le traité de Lisbonne qu'a passé Sarko, je dirais l'idée des Français est tombée à plat au niveau de, de l'Europe. Et il nous faudrait une démocratie semi-directe, démocratie directe représentative grâce à un système justement bicaméral, un peu comme les amis suisses. Et ben, la parole... Référendum et votation. Il faut absolument... Là, on n'y croit plus du tout. Et vous savez, André, ce qui nous prend au nez, là, les Allemands, là, avec leur, une augmentation de l'inflation et leur, leur action, parce qu'eux, ils fonctionnent à l'action et nous, avec l'assurance-vie, ils ne vont pas le supporter longtemps. Ils vont demander à sortir de l'Europe. Alors là, je pense que, M. Juvin, je pense que moi, je suis à fond derrière vous. Mais il y a tout à revoir, alors, parce qu'on n'y croit plus. C'est pourquoi j'ai évoqué une explosion possible de l'Union européenne. L'Allemagne ne va pas supporter longtemps le déclassement provoqué par les sanctions américaines et la tutelle américaine. Oscar Lafontaine l'a très bien dit, c'était le maître à penser des socialistes allemands du SPD. Dans une tribune parue récemment, il est allé jusqu'à appeler à la fermeture des bases militaires allemandes en Europe. Il faut bien voir que nous sommes sous occupation militaire américaine. Et ben alors, Hervé Juvin, refaites de la politique. Enfin, vous faites de la politique, bien sûr. Et ben faites-la avec des localistes maintenant. C'est un bel encouragement. Merci André. Merci à tous.